Bonjour. Hop, bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Ça va être cool. Tout ça, ça a l'air d'aller. L'impression que t'es un peu faible, toi. Hop. Ah, pardon. Oui, non, tu devrais. Peut-être moi qui parle pas fort. Ok, quoi qu'il en soit, la dernière fois, on est arrivé à ce manoir et bon, j'étais pas trop là, physiquement parlant et mentalement parlant d'ailleurs. Mais on y est. Et on cherchait un moyen d'accéder à la suite. Donc, on m'a invité à accepter sa proposition. Salut, salut Acta. Et sa proposition, chemin faisant, m'amène à gentiment aller là-bas pour assassiner un type comme moi. Ce qui m'intéresse absolument pas. Salut Chocolat. Soir déjà à cette heure-là, tu vas bien? Du coup, la quête d'assassinat c'est mort, ça m'intéresse pas, donc c'est voilà. Je suis revenu ici, j'ai fait le bon vieux truc de tu tapes dans tous les murs, et en fait on a trouvé ça. Donc, on va gentiment aller explorer. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Crac, c'est sympa la zone d'invincibilité qui termine un poil trop tôt, trop tard. Enfin, la zone de non-kill. Donc voilà la séquence. C'est samedi soir qu'on a fait ça? Ouais. J'ai fait les murs, j'ai trouvé ça, j'ai posé la manette. Ok, on verra bien. Ils sont trop bien les escargots serpents. Je les trouve trop mignons. Par contre, j'ai la vague impression que ça va agacer les maîtres de l'endroit, le fait qu'on soit parti derrière les murs. Tiens, descends s'il te plaît. Bon, ça se passe bien. T'as passé un bon dimanche, Chocolat? Manuel de guerrier nomade 21. Alors, qu'est-ce qu'il donne celui-là? Un pot attrayant? Oh! Genre on peut faire des crânes maintenant? On attire uniquement les ennemis humanoïdes. Ah cool! Dimanche classique, rien de bien folichon. Ah moi le dimanche c'est repos et temps avec madame. Donc c'était cool aussi. Carman le parfumeur dépravé. Ouh ça c'est cool. Lui il va être bien insupportable.
Les parfumeurs déchus ne pratiquent leur art que pour servir leur propre intérêt. Virtuose parmi les parfumeurs, Carman était doté d'une force rivalisant avec celle des héros. On prétend qu'il était en quête d'un tonique de revivification secret. Ah, c'est trop cool. Pas plus mal les dimanches calmes. Ouais, puis streamer c'est vachement cool, mais faut se laisser un peu de temps pour la famille derrière, quoi. Puis ça fait une pause. Généralement le dimanche, j'allume pas ou peu l'ordinateur. Ah! Ah, trop cool! Hein, comme lui. Ça passe. Griffe de limier. Cool. Donc on a son épée et sa griffe maintenant. Grande griffe incurvée utilisée par les chevaliers limiers. Leur forme leur permet de trouver une entaille dans la garde de l'ennemi. Vous rend temporairement invisible et vous permet d'esquiver les attaques avec vivacité. Permet de se déplacer plus vite qu'un pavif ordinaire. C'est cool. Et visuellement... D'ailleurs ça demande... Alors ça... Saignement, ça c'est cool. Ça demande rien au niveau des stats. Ah ouais. Ah ouais, pour explorer certaines zones, ça va être pratique ça. Oh 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 oh. Ah si, hier on a regardé les aventures de Vox Machina ou un truc comme ça, une série sur Amazon Prime. Elle est super cool, c'est... C'est une parodie de jeu de rôle et... Il y a une... C'est semi-sérieux dans l'histoire et complètement déconnant dans les personnages. Bien sympa. Oh. Il y a un ascenseur là-bas? Peut-être. On va commencer à gauche. Ah. Que le marteau tombe, boum. Et un bot de moins. C'est moi qui l'ai eu, Acta. Ça faisait longtemps.
Bon, sur quoi on va tomber ici? Ah bon, on va pas aller bien loin. Ah 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 ah! Sur eux. Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent pas descendre. Il y en a qui ont aimé la forteresse de Seine. Hein. Tadala, tadala, piloum, 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 piloum. Ok, ils ont de la vie. C'est craqué visuellement parlant. Elle est où la petite bouboule? Ah non! Mais je sais pas les affronter, moi, ces trucs-là. Alors, je pense que notre objectif est là-bas. Et en attendant, on peut passer là. Qu'est-ce que t'es toi? On n'a jamais affronté de mob comme ça, je crois. Quelle compétence j'ai mis là-dessus? Tir céleste, ok. Là, il est juste parce que c'est sympa. Hein. Hop! Ah non, ça me dit rien ça. De toute façon, d'ici que j'arrive à lui, je serai mort ou il m'aura oublié. Oups. Voilà. Fait une petite bêtise. Grosse bêtise. Excusez-moi, monsieur. Ah, comme je disais, il m'a oublié. Je suis pas fan du gameplay de Bloodborne.
Mais qu'est-ce que je suis content que le jeu soit sorti. Ah mais si, on en a déjà affronté un de lui. Oui, dans le village des... j'allais dire maître pêcheur, des... pas poisonneur non plus. Parfumeur. Poisonneur, ouais bien sûr. Ouais. Tiens, il y a un truc qui est mort. Exactement avec ça. Oui, aujourd'hui je me demandais si j'allais pas me respé. Il y a pas mal de trucs que je voudrais essayer sur le jeu. Hop là. Graisse. Je te vois, petit homme. J'arrive. Ok. Ben c'est plus long, mais c'est vachement plus safe que l'autre chemin. Et touc. Mais je m'en fous des pierres sombres. Ah, on pouvait descendre là pour le tuer. J'en suis où mes flèches d'ailleurs? Ouais, les flèches de poison, c'est pas ça. Les flèches de feu, c'est pas trop ça non plus. Les flèches classiques. Les flèches classiques, il m'en reste plus tant que ça. Hein. D'ailleurs, j'avais tout dedans. Ouch. Réprouvicide. C'est rigolo comme désarmement.
Ça va être dans les haches. Quand une arme de saignement demande de la force et de la dex, la lame de cet immense et sordide fendoir, arme de prédilection des tueurs de réprouvés, est constituée de cornes de réprouvés amputées. Ah. Les cornes immondes provoquent des saignements, ce qui ne manque pas d'ajouter de la couleur au massacre qui s'ensuit. Bah écoute. C'est mignon tout plein. Tiens, j'ai besoin de vie. Merci. Okidok. Bon, ça me fait avancer par là. C'est sordide à souhait, c'est génial. On a des citoyens. Sceau de l'arbre-monde. C'est ça, ça s'appelle les citoyens, ces mecs-là. Sujet, ok. Sacré informe frappé de l'emblème de l'arbre monde, jadis le signe, le siège religieux de l'entre-terre. Oula! Bien que le cercle d'Elden soit brisé et que l'arbre monde ait perdu son éclat d'antan, la foi pure détient encore toutes les réponses. Ça va être compliqué de lire aujourd'hui, j'ai l'impression. Bon, autrement dit, il y avait catch pour nous, hein. Salut, Captain, tu vas bien? On pourrait descendre là, ce qui nous servirait pas forcément à grand chose. Oh bah ça va. Nouvelle semaine. Je suis pas certain d'avoir la capacité de saut, hein. Après. Ah tiens, on peut essayer quelque chose. On va essayer là, ça marchera. Si j'utilise la griffe. Tu peux pas. Tu peux pas abuser de la distance de saut avec un parapide. Saute et ensuite pas vif.
Non, tu peux pas non plus. Non, mais c'est parce que j'ai pas encore le parapente. El famoso. Non. Regarde, je ne suis pas là. Tout va très bien. Tiens, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient... Enfin, il y a au moins une personne qui a fait un speedrun en 30 minutes quelque chose du jeu. C'est pas mal. Ah, il y a définitivement un 30 minutes qui est sorti, mais je sais pas dans quelles conditions. Bonjour. Ok, cool. Qui soupçonne le buisson? Apparemment, lui. Non, je... pas vraiment. Enfin, en tout cas, j'ai jamais réussi à le backstab. J'en ai tué un et j'ai dit ok, c'est bon, plus jamais. Médaillon d'ambre pourpre. 28 minutes 59. Pouah. Augmente grandement les PV dispo. Passe de 1158 à 1239. Grandement. C'est le temps qu'il me faut pour finir la création du perso et encore. Bref. Ah ouais, non mais des... Ils sont branchés différemment, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment pas mon kiff le speedrun, mais c'est une sacrée performance. Le seul, j'en ai déjà parlé hein, par le passé, mais le seul speedrun que j'ai fait, moi, c'était sur Prey de 2016, je crois. Parce qu'il y avait un succès lié à ça. Et j'avais envie de l'avoir. Mais du coup, pour le faire, le speedrun, j'ai regardé un speedrun sur internet et j'ai essayé de le refaire exactement. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Hein, j'ai passé mon après-midi. Et pourtant, c'était pas dur, hein. C'était que des glitches et des machins comme ça, mais... C'était... Objectivement, c'était assez facile à refaire. Mais alors, bordel, la prise de tête par moment. Pouah. Les mecs sont cinglés.
Ah bah ça va demander un petit peu de temps. Il fait que dalle comme dégâts, c'est magnifique. Ah, il y a le... Il y a cette conne. Non, mais sinon, on peut dire qu'on est ok. Hein, je pars de mon côté, tu pars du tien. Des gens civilisés. Bonjour. Forteresse de Seine 2.0. Ah. Et c'est méga perturbant cette hitbox. Chat, on passe par la porte ou par un moyen détourné? On peut passer par la porte au moins? Non, on peut pas passer. Ok, bon, problème réglé. Télé, télé, pilou, 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 pilou. Désolé. Ça a l'air sympa à l'intérieur encore. Ok, on peut entrer par là. Ou par là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Et bonjour. Ok, donc ça, je devais éviter, je suppose. C'est trop bien de découvrir des nouvelles zones. Qu'est-ce qu'on a été gâté avec ce jeu, pardon. Ah, celui-là est différent. Un poil flippant aussi, hein. Non. Ah, me fais pas ça. C'est trop bien. Tellement glauque. Ouais, c'est ça, il trigger les autres. Ah, un site de grâce, cool. Allons nous poser. Où elle est? Petit pactole. Alors, tu venais de là-bas. Petite potence, cool. Ouais, c'est un concours qui a lieu tous les mois. Que tu sois abonné Prime ou abonné tout court, en gros, t'es automatiquement inscrit dedans. Et à la fin, donc, je télécharge ma liste d'abonnés, je lance un petit programme, ça me donne un gagnant, je contacte le gagnant, je lui propose 5 titres. Et puis il gagne le titre qu'il souhaite dans la liste. Voilà. Cool. On va marcher dans la lave.
Ouais, bah c'est un petit moyen. Moi, perso, à la base, c'est des clés que j'avais de côté. Et elles me servent pas. Donc je me suis dit, bah, autant en faire quelque chose. Ah oui, alors si vous... Non. Pourquoi est-ce qu'ils aiment autant le poison, la lave et tout ça chez FromSoft? Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que tu peux pas trop bouger dans la lave. On avait déjà vu ça par le passé. T'es où? Tellement cool comme endroit. Pour ce bâtiment-là, ah, on verra bien. Bon, comme quoi construire à côté d'un volcan, c'est pas forcément une bonne idée. Caster. Père Caster. C'est le roi Merlin ou Casto qui vend des lampes comme ça dans les rayons. Enfin n'importe quel magasin du genre hein, de toute façon. Et où t'as toutes les lampes. T'es dans quelle zone? Je suis là. Au plateau d'Altus, en gros. Je sais pas si Neko a fait cette zone. Au nord de l'académie, ouais. J'en suis là, moi, je vais affronter Rennala. Ah, c'est le... Jusqu'à présent, c'est mon combat de boss préféré. Mais du coup, ça te gêne pas de te faire spoiler? Tu viens de buter le chien loup, chelou. Ah, il est cool, lui, hein? T'inquiète pas, il y en aura d'autres comme lui. Pour les boss ou passages que je juge importants. D'accord. Oh, ah, j'adore.
Là, il y a un boss. Pas un boss important, mais il y a un boss. J'aime bien regarder le skill des uns et des autres. C'est instructif pour moi qui débute sur les Souls. Ah bah t'es pas sur la bonne chaîne pour avoir du skill. Mais j'apprécie ta présence quand même. Il t'a... Ouais, je crois qu'il m'attend, ouais. Ah oui. T'es déjà là. Ah, il est où cet anneau? Il est là. Ah mais c'est même pas un boss en fait. Là pour le coup c'est juste un mob. Tu sais quoi, on va... Ah oui, en plus ma larme a despawn. Hop. Bonjour, au revoir, merci bien, je reviendrai plus tard. Oups. C'est là où on a tué le serpent, oui, tout à fait. Ok. C'est quoi déjà le... Je sais que ce morceau parle de box, de boîte, mais je me souviens plus du reste. Je sais, living in a box ou quelque chose comme ça. T'as déjà vu Shrek? Bah, ça va être la même idée. On arrive, on pille et on se barre. Salut pacificateur, tu vas bien? Ah, ouch. Ah oui, sauf qu'on va avoir un problème. Courir dans la lave. On verra plus tard la suite, hein. Ok, je sais comment je vais le tuer. Je viendrai le teaser avec un arc et des flèches. On le tuera de loin. Ce sera honteux. Si tu arrives à cette flèche, oui. De toute façon, après, je peux en crafter, donc ça va aller.
Oula, oups, c'est bon, c'est bon. Ça, et puis au pire, j'utiliserai un weapon art pour du poison ou des trucs comme ça. Y a moyen. Alors. On a déjà tué un de ceux-là, c'était pas Lucaria? Nope, pas Lucaria, mais je sais plus où. Ok, c'est quoi ça? Oh, sympa. S'il arrive à tirer cette flèche. Ah, mais j'ai vu qu'il s'était coincé dans le décor. Y a moyen qu'on l'ait. Ah, trop bien, on va peut-être pouvoir activer le pont. Et pas flippant, d'accord, très bien. Oh, is. Et là, il y a un dragon qui spawn avec le pont. Oui, bien sûr, oui. Bon, c'est bien sûr ultra réaliste, hein, évidemment. Mais ça reste cool. J'avais pas un feu juste à ce moment-là. La lave, comme chacun sait, la lave c'est tout à fait un liquide, hein, rien d'autre. Bien sûr. Attends, j'ai 115 en découverte. J'avais pas genre beaucoup moins avant. Il ne compte pas le nombre de morts. Ah non, j'ai oublié de le réactiver, t'as raison. Hop. Voilà, on est à 300. C'est pas mal, hein? J'avais le compte se faisait, mais j'avais oublié de l'afficher, effectivement. Je suis un des exemples de tout le monde peut réussir à jouer à Elden Ring ou à Dark Souls ou n'importe quel jeu. J'avais dit ça comme ça. Ah oui, j'en ai un. J'en ai un, c'est juste que je. Oh. Captain, il va y avoir un boss bientôt. Je relancerai l'appel juste avant de tomber dessus. Ok, pas flippant du tout. Ok, il y a un deuxième boss.
Ok. Je fais appel à un ami. Ah, je la trouve super adéquate, justement. C'est le meilleur. J'adore ce double. Aiguillissante claire et noble présence. Je pense que l'aiguille, on l'utilisera sur un run. Ah, bah, ça dépend. L'invocation que j'ai utilisée est vachement puissante. Mais c'est juste un mob en fait, c'est pas un boss ça. Ouais. Ouais. Somptueuse épée perçante pourvue d'une lame, c'est la don que manient les nobles sans truc cher. Aucun sujet n'atteindra jamais le niveau d'expertise que possédaient les nobles avec cette arme. Malgré sa taille, les attaques consécutives de cette arme sont aussi vives pardon, qu'un éclair. C'est. Parce que. En gros, dans les jeux From Software, t'as souvent des boss qui sont en fait des mobs, mais tu les rencontres plus tôt, du coup, si tu veux, c'est un boss qui deviendra un mob plus tard dans le jeu. Là, y a pas de... Ah, elle est cool. Un peu grande, mais elle est cool. Ouais, c'est ça, comme DS1. Et la musique épique, c'est FromSoft. Amnios du serpent. Ok. Le truc qui me gêne, c'est que... On nous a dit d'aller dans la chambre du seigneur. Pour l'instant, on l'a pas trouvé. Ah, par contre, on a trouvé ça. Oui! C'est vachement cool. DS1, je m'amusais à envahir les autres joueurs, que des bons souvenirs. Ah, tu fais partie des gens qui sont la raison pour laquelle je joue en ligne, c'est ça? Ça dépend, j'ai rien contre un bon duel. En vrai, on a désactivé le multi à cause des tricheurs. J'ai commencé à faire ça quand on a fait DS1 et en gros on a... C'était quand? C'était 3 semaines ou un mois? Un mois avant qu'il y ait eu la grosse faille de sécurité. Enfin, la grosse faille de sécurité qui existait déjà depuis des années en vrai. Et qui est la raison pour laquelle je joue toujours hors ligne. T'investis trop dans une partie pour qu'un tricheur qui te pourrisse ton run. Eplé. Ça m'est arrivé une fois, c'est bon, plus jamais. Le coup du le gars te touche, il t'instant kill, il te fout un œuf sur la tête, que il est pas censé pouvoir te foutre. Ce genre de machin, non, c'est bon, merci bien. Je suis pas là pour ça.
Crash? Non. Allô? Je pense qu'il crash. Crash Bandicoot, ouais. Mais du coup, toutes les quêtes en ligne, tu les fais pas. C'est ça. Hop. Je vais relancer le jeu. Là, Elden Ring vient juste de sortir. Ouais, mais Elden Ring, il est basé sur la même structure, du coup. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont déjà battu le jeu en 28 minutes. T'inquiète pas qu'il y a des gens qui travaillent aussi vite pour trouver des hacks. Et l'autre énorme avantage que tu as à jouer hors ligne, c'est que t'as pas tous les messages pour te prévenir de ce qui va arriver, te dire va là, fais ça, tout ça. Non, tu peux être envahi en permanence maintenant. J'ai aperçu l'arme mutatrice dans tes sorts, comment tu l'as eu? C'est... Alors... Tu veux la zone précise ou tu veux une indication vague? Ça marche. Je te montre sur la carte dès que le jeu se relance. Tiens, il n'y a que 14% des joueurs qui ont tué le boss qu'on vient d'avoir. Ouais, sur PC. Pour ça que les performances sont parfois un peu... Un peu... Enfin après c'est ma config hein, aussi. Ma config est plus exactement au top du top. J'ai eu qu'un seul crash. Ou deux. Non j'ai eu deux crashs. Sur 87, 78 heures de jeu. Par contre j'ai des baisses de performance. Mais mon processeur est assez moyen donc je pensais le faire changer en juin, on va peut-être le changer avant. Ça, 57 000 âmes? Il a raté quelques secondes de jeu. Eh bon, c'est passé. Ah oui, et du coup la zone. La larme initiatrice, je l'ai eue. Dans cette zone-là. Je t'en dirai pas plus, pour le moment en tout cas. Je suis pas encore, donc faut tuer Radahn avant, je suppose. Non. Non, cette partie-là, tu peux y accéder sans tuer Radahn. Ah, c'était cette porte qu'on voyait, que j'ai vue de là-bas, d'accord, et je croyais que c'était un boss. Mais du coup, c'était ce boss-là.
Alors, où est-ce qu'on pourrait aller qu'on n'a pas fait? Ça, on l'a pas fait. Et je sais pas du tout comment y accéder. Ça marche. Là, on retourne dans les souterrains. Il se passe quoi quand deux hackers se rencontrent? Ah, en jeu? J'en sais rien, mais ça doit être assez ridicule. S'auto-shot, d'accord. Quand on a commencé le run DS1, j'avais oublié de me mettre hors ligne. On a été envahi par un type qui était en armure de géant intégral, avec je sais plus quelle arme, mais un truc assez énorme. Et quand je le tapais, je faisais 5 points de dégâts et on voyait même pas sa barre de vie bouger. Du coup, je lui ai foutu quelques coups. J'ai baissé mon arme. Je lui ai tourné le dos, mais pour lui dire vas-y, finis-moi quoi. Et le gars m'a lâché quelques pièces d'armure que j'ai jamais utilisées. C'est pareil, ça, j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû looter en vrai. Et puis il m'a tué, hein, puisqu'il était là pour ça quand même. Mais oui, il était plutôt cool. Après, je sais pas ce qu'il foutait envahir un nouveau joueur. Je sais pas comment il est foutu le système d'invasion sur DS1. Si c'est un certain niveau d'âme de différence ou si c'est uniquement basé sur la zone. Mais bon, voilà quoi. Ça va, il était cool, mais l'invasion était pas cool. Tu avais l'humanité le nombre de fois que tu avais fini le jeu. Ah, c'est uniquement basé sur ton nombre de runs. Oh, c'est craqué. Ah, il est pas caster, il a juste un fouet. Bon, où est-ce qu'on va? Tout cas, tu claquais ju l'humanité juste pour jouer en groupe ou pour envahir, ou alors pour faire des quêtes. Faire des quêtes ou jouer avec Solaire ou ce genre de choses. Ah, on a là-bas où on peut aller, c'est vrai. Tiens, on va essayer ça. Je sais plus si dans le 1 il y a des quêtes, mais des quêtes liées à la coop. Mais le 2 il y a 3 PNJ comme ça. La ville carcérale. Ah, c'est glauque.
Il est mort. Après, c'est vrai que la vraie expérience du jeu, c'est de le faire en solo. Ouais. J'aime bien l'idée, j'aime bien le fait que le jeu propose un peu de tout. Après, je trouve que le système de coop est daté. J'aimerais bien une vraie coop où t'as pas besoin de. Genre, même si c'est. Tu peux garder le système d'invasion comme il est fait actuellement. Mais j'adorerais pouvoir y jouer avec ma compagne, par exemple, tu vois, on lance le jeu, tu rentres un mot de passe, et le jeu est entièrement accessible en coop. C'est pour ça le. Je trouve le système d'invasion trop limitant pour être intéressant. Et du coup, je préfère jouer en solo. Alors, c'est pas là où je voulais aller, mais du coup, on a trouvé autre chose. Qui est globalement là où je voulais aller finalement. Parfait. Oups. DS2, je l'ai fait entièrement avec un pote à une époque. Et bien, bien avant la sortie de Scholar of Sin. C'était méga cool, mais alors on s'est pris la tête quoi. Oh! Oh, super, déjà. C'est quoi, j'avais jamais tilté que les jars c'était. C'est genre. Une urne funéraire. Je l'ai vu un peu trop tard. Je reviendrai. Eh, ou pas. Je vais me chercher un truc à grignoter, j'ai rien mangé de la journée encore. Prendre 2-3 cookies vite fait et puis j'arrive. Ce cookie pour la petite histoire, c'est le meilleur du monde parce que c'est ma maman qui les fait. Et après, elle me les envoie par la poste. Bon. Genre, on peut pas l'ouvrir.
J'attends toujours avant de les attaquer, on sait jamais. Bouclier de lave? Oh! Demande 12 deux fois. La chaleur qu'il émet permet de résister à la congélation et il inflige même des dégâts de feu lorsqu'il est employé en tant qu'arme. Ah, sympa! Oh, ok. Donc rouge ça meurt, jaune ça explose. Très bien. On peut backstab ça? Non. T'es quand même pas aussi cool que les champignons. Cool, on a eu plein de loot. Je peux pas viser là-bas? Hop là. Re, Captain. Ah. Bon, pas là alors. Lequel est jaune? Ah, celui-là est jaune. Est-ce que tu crains la lave? Voilà. Alors on a tué tout le monde, ça a rien donné de plus. Mais la zone est pacifiée. Ensuite. Ouais, je sais pas où elle est. Polo polo. J'ai dû rater quelque chose. Je vais retourner là-haut. Déjà parce que je sais pas si avec le crash ça a sauvegardé ou pas.
Ah, bah voilà. Trouvez la suite. Parcours. Qu'est-ce que c'est méga cool? Ils exploitent super bien la verticalité. Oh tiens, il y a un loot là. Ah! Oh, ok. Du coup, faut que je sorte de l'église, c'est ça? Non. Donc c'était pas la suite? Si, là. Je dois être très bien dans mon armure là. Il fait pas chaud du tout, tout va bien. Ah, oh, for fuck's sake. Concours de bouche ouverte. Je suis un poil surpris qu'il n'y ait pas eu de boss là. Ouh, le framerate qui a mal. Focus. Le dernier feu était... Ah, y a un petit mot. Ah, mais il y a du loot, quoi. Ah, pour le loot! Bonjour, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Genre vous le... Bonjour. Alors ça trempe? Ah merde! C'est bien la première fois qu'il arrive à me choper. D'ordinaire, ça marche pas vraiment leur truc, hein. Tu restes sage? Nope, il reste pas sage.
Tiens, du coup, Eric, t'es parti sur quoi comme build? Il contempla la mort dans les yeux. Double katana d'ex intelligence. Oh, il paraît que c'est bien pété ça. Mais attends, tu viens pas d'en récupérer un katana intelligence en plus? Ouais, ça, Moonblood. Éclipse solaire. Bon, d'accord, c'est pas Moonblood, mais c'est pas en français, en tout cas, c'est pas Moonblood. Et il paraît, alors je sais pas si c'est celui-là, tu me diras, mais je crois que c'est lui qui a une attaque complètement pétée. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose? Peut-être, mais je vais pas les faire trempette pour vérifier. Il y a du loot là. Je trouve un peu crado. Il me reste du savon. Et hop là, je suis tout propre. J'adore ce truc. Tu. Le. Alors, nous, on est arrivé ici, ok. Ah! Excellent. Raccourci. Sa cendre, c'est le feu. J'ai pas compris. Pardon. Ah. Wow.
Ouais, il y a des trucs craqués. Tiens, préviens-moi quand t'auras tué Renala. Comme ça, je t'en parle pas avant. Oh! J'ai vu un truc intéressant! Et hop là! T'excites pas, voyons. Les lames de pierre. Ok. Bon, c'est un peu moins cool que j'espérais, mais c'est sympa quand même. Peak Generator. Ta 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 ta. Boum. Ow! M'a craché au visage. Ah, c'est marrant, je les voyais vraiment pas aussi grandes les statues. Bonjour! Ah! Ooh. Ouais, ça a été la vaisselle. Ok, cool. Moi j'ai ça. C'est la chemise à Jones. Un peu le bordel son truc. Bon, et du coup, non, il semble pas y avoir autre chose dans le lac. Retour dans le manoir? Toc toc. C'est tellement chouette. Ah, pas pu esquiver à temps. Tiens, redonne-moi un peu de vie, toi. Hop, merci.
Cendre de reptilien. Ok, je sais pas ce que c'est derrière le bouclier, mais c'est trop cool. Ah mais c'est pas un bouclier, c'est ta tête en fait. Et ça n'explose pas. Ok. Toujours le nombre de designs de monstres qu'ils arrivent à sortir ou ce genre de conneries. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a ici à part une baisse de performance? Twing. 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 T'es quoi toi? Ah, la boulette. Bon, bah on va être bon pour finir. Descendre. Oui, on peut descendre. Oui. Vraiment, c'est charmant. Résolution de chevalier royal. Et donc lui, je suppose que c'est le maître de maison. On a déjà la maîtresse de maison qui apparaît. Ça sent la mort, mais non. Tout va bien se passer, voyons. Malédiction du semis. C'est une clé. Enfin, c'est considéré comme une clé en tout cas. Malédiction apparue sur un corps souillé par le coprophage.
Plutôt cool. Crois qu'il passe. Ah, on est là, ok. Y a autre chose à ajouter? Non, y a rien. Tu vois, je suis pas mort. Bon, j'ai raté un loot là-haut, par contre, je sais pas comment y accéder. Mais je suis pas mort. Pour l'instant. Ok, bon, ils sont complètement oblivious à ce qui vient de se passer, c'est cool. Ok. Je sais plus si les autres c'était ne bouge pas ou si on avait tout ouvert. On avait tout ouvert, sauf celle-là, ok. Alors, on retourne à... Putain, on avait fait une trotte, c'est naze. Salut à Jeanne, tu vas bien? Oui, nouvelle semaine. Dark Souls, des fois, c'est une lettre d'amour. Faire ça moi. Je vais mourir bêtement, ça va être cool. Ouais, on a pas mal avancé. J'en ai pas trop fait ces derniers jours. Mais on fait un bon progrès. Ouais, il picote, ouais. Thank you.
Non, tu sais bien, c'est que des mobs raisonnables dans la zone. Ok. Donc ça, c'est bon. Prends-moi un peu de vie. Toi non, aïe. Toi oui. Et toi de ton côté, comment ça se passe du coup? Alors je me demande comment tu comptais me niaquer. Cette personne montée. Ouais, ça va, t'es raisonnable sur... Sur le... Merde, j'ai encore oublié son nom. Lost Ark. Bon alors, comment est-ce qu'on peut... Comment on peut choper ça en face déjà? Quoi, je vais me faire un mémento de tout ça. Et puis on reviendra plus tard. Alors, Captain, il y aura peut-être un boss. Donc, je préfère te prévenir. Ouais, il y a un boss. Ça veut dire qu'on peut y aller. Bonjour. Le trac vipère. Considéré comme quoi? Trac vipère, grande lance. Arme qui tient autant de l'espadon que de la lance, censée avoir jadis servi à traquer un grand serpent immortel. Elle génère une longue lame de lumière face aux créatures semblables. Lorsque les aspirations héroïques de leur maître laissèrent place à une avidité pure, ces hommes se mirent en quête d'une arme capable de la terrasser. Frappez de toutes vos forces, puis en appuyant sur de nouveau sur la commande, effectuez une attaque d'estoc vers le haut. Si vous faites face à un grand serpent, une longue lame de lumière apparaît, révélant ainsi la véritable nature de l'arme. D'accord, donc on est sur l'espadon de tempête, quoi. Par contre, c'est une arme lourde. Donc on y va comme ça, quoi.
Bon, bah, je pense qu'on est devant le maître de maison. Ah oui. Serpent dévoreur de dieu, carrément. Ah bah c'est cool. Bon, bah j'ai plus rien. Ah si, je peux faire ça. Ah mais c'est cool. Armé de mon célèbre écuyer, on va pouvoir le tuer, ça va. Mais c'était que la première phase, c'est ça? C'est le seigneur local. J'ai des baisses de perf. Ouais. Ah mais merde! Arrête de me foutre. Non, c'est pas un zombie, c'est il a été assimilé par le serpent. Il est trop mignon. Ricard.
devrait aller. Encore une fois, on a mon double qui fait du montage. Ah merde, on est mort. Ah, de toute façon, on serait fait tuer par tout le déchaînement qu'il y a derrière. Non, mais il est cool, lui. J'aime beaucoup. C'est assez stylé comme boss. Le moyen le plus rapide d'y aller, ça va être... Par là, oui. Je dois rater un raccourci quelque part, par contre. Faire attention, je suis suivi. Alors j'activais le feu qu'il y avait juste là. Une cop. Est-ce que je vais spawner avec l'arme? Ah ouais. Ça... Ça devrait aller tout seul. S'il peut s'en servir, ça devrait aller tout seul. Il n'y a pas de... Je peux pas faire une espèce de critique. Alors, est-ce qu'elle va être saccadée à nouveau? Si elle l'est pas, je la laisse. Et allez.
pas si on peut survivre à ça en vrai. Ça a l'air assez impressionnant. Bon, on l'a eu. Ruine majeure de Rickard. Les souvenirs du seigneur du blasphème. C'est bon, Captain, tu peux revenir. On l'a eu. Frappé d'un œil. Le blason qui orne la poitrine indique que son porteur agit en tant qu'yeux et oreille de Sir Gideon l'Omniscient. Gideon, c'est le gars dans le... à la table ronde. Gideon. Sauf que je dis Gideon. D'ailleurs, c'est pas mal en plus. J'aime bien. C'est très simple. Et du coup, c'était ça là. La chambre. Oh, c'est le fantôme. D'accord, c'était le fantôme en fait. Le type dont on vient de toute armure. Qu'est-ce que c'est? Ok, alors. Est-ce que la tenue qu'on vient d'avoir, on peut la modifier? Non. Très bien. Hop, on a une fiole de soins de plus. Et c'est tout. J'ai la vague impression qu'ils vont pas forcément aimer. Ou alors le jeu va dire hop, Osef.
Ah, on est toujours en zone de non-combat. You. It's true then. You've defeated our lord. Oops. No. I must thank you. Our lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our lord is immortal and will one day rise again, stronger. Until then, I must stay the path and do my part. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer. This is farewell. Perhaps we will meet again. Ok. Oh, du loot à la place du mec. Remerciement. Ah, oh, c'est cool. It's just as my noble brother says. I'm a complete fool. I can't believe I thought I could become a champion. Toi. L'espagnol, je te cherche depuis un moment. It's you, is it? I'm terribly sorry, but would you mind giving me some time to myself? I haven't achieved anything at all thus far, even though I've dirtied my hands time and time again. I'm still yet to achieve anything. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. How did it take me so long to realize, honestly? There's just no end to my foolishness, is there? Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. What an easy mark I must have been. Tu veux qu'on aille en parler autour d'un verre? So, you killed Rykard. I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the Volcano Manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind, and took what was theirs. And with everything in hand, the time has come to rise against the Erdtree. Oops. J'ai peut-être fait une bêtise. Bon, il reste que il y a du loot dont on ignore la l'accessibilité. Et je sais pas non plus. Alors attends, c'était c'est écrit où déjà? C'est dans les clés. Ouais, ouais voilà. Restituer son pouvoir à la tour divine d'Altus West, qui surplombe le précipice de la côte du sud-ouest de Lindell. Au sud-ouest de Lindell. Je suppose que c'est quelque part que je n'ai pas encore exploré. Mais c'est à l'ouest. Ou alors je l'ai raté. Nonsensical.
Perhaps a tarnished will be Elden Lord after all. But for now, this manor is finished. The demigod beast is slain, and Tanith has lost her head. A fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. Celle-là, elle est pas mal. Here I am, untethered, once again. Goodbye, my friend. Et ça a recraché. Sérieux? Deux crash en un stream alors qu'on en avait eu qu'un seul? Waouh. Tu parles d'une zone maudite? Je vais attendre un peu. Quoi que ce soit juste. Juste une baisse de perf catastrophique. Non, c'est bien un crash. Propre, net, charmant. Il n'y a pas eu de patch depuis. Non. Eh ben tant pis. On va aller à la table ronde. Voir ce qu'on peut choper avec cette âme. What's up? Alors, on peut obtenir un espadon ou une sorcellerie. Qui demande un petit peu de compétences quand même. 40 d'intelligence 10 deux fois. Oh, c'est glauque. Ah, trop bien, on peut acheter l'armure du roncier. Elle est dégueulasse, mais c'est cool. To the capital, Laendell. To the east of the altar's place. The two fingers will deny. You may be our best hope. D'accord, donc ça, c'est ce qui me... Ça change pas de ce qu'il me disait déjà. Mais si je porte cette tenue... Journey to the capital. The two fingers will deny. You may be our best hope. D'accord. Il s'en fiche. Royal.
C'est dommage, elle est vraiment meilleure, quoi. Sur pas mal de trucs. Par contre, elle est plus lourde. Je pense qu'on a skippé absolument toute sa quête. Greetings. Are you here for spirit? Well, I took you for dinner. No matter, it's all out your arm. Et je crois que c'est tout. Ça, ça a pas bougé. Ah, ça, elle a pas bougé. Je parlais de la pièce, mais c'est vrai que ça, ça peut prêter à confusion. Et cette pièce-là, on l'ouvre avec une clé et il y a toujours rien d'autre. Je sais même plus ce qu'il y avait ici. Ok. On n'a pas totalement fini, je pense. Mais on y reviendra plus tard. Passion ombre, c'est fait. Ok, on va aller là-bas. Bon, on aura tué un boss principal. C'est pas mal. On n'a pas fait que ça d'ailleurs. Ah, je suis sous le pont. Ouais, c'est ça, et moi je dois aller là-haut. C'est pas pratique ça. Ce soir on fera encore du Elden Ring. Demain après-midi on fera. On finira par. Je suis un peu oublié celui-là. On va commencer par celui là-bas et ensuite on reviendra. Ah oui, il y a lui là. Il m'a explosé lui. On a fini par l'avoir mais... Oh, ah. Ah, c'est pas bon ça.
Non, ça va, il est pas... Il est pas contaminé. Où est-ce qu'elle pourrait être cette tour? À moins qu'elle soit parfaite, partiellement détruite ou enterrée. Wow, bonjour. Ouh, ça, ça pue. Timing, c'est pas terrible. En fait, je me demande si j'avais pas déjà fouillé ça. Et je pense que si. Eh, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. Bonjour. Juste au cas où. Hop. Normalement, eux sont pas hostiles, mais on sait jamais. Hein. Disons que dans tous les cas, ils sont pas alliés.
Dominula. Village au moulin. Tiens, déjà, il y a du loot qui m'intéresse là-bas. Crâne de l'officiant. Quoi, 3 ? Ah, ça me saoule quand je fais pas attention aux symboles. Crâne de l'officiant. Non, c'est bien une attaque. Alors pourquoi j'avais... Enfin, c'est bien une arme, mais du coup, pourquoi j'avais un x3? Enfin, j'ai cru voir un x3. Tiens, je t'avais lu ça? Oui. Ah, il est là. Grand gourdin orné de fleurs et de tissus bariolés. Outil cérémonial utilisé au cours des danses qui avaient lieu lors des festivités de Dominula, village au moulin. L'extrémité est composée d'un crâne bien trop gros pour avoir appartenu à un humain. Octroie une très faible quantité de runes à chaque attaque réussie. Oh! Ok. Visuellement, ça ressemble à... Enfin, à ce que les vieilles femmes ont. Voilà. J'entends une mélodie festive. Mon pitié, ne me dépecez pas. Sympa. Ma peau est abjecte, croyez-moi. Non, mais j'ai pas bon goût, et puis de toute façon, je fume. Je mange bien trop gras, non, c'est pas. Oui.
Ça, c'est pour les heures que j'ai passées sur Outlast et Outlast 2. J'ai vraiment l'impression de revenir là-dedans. Oh là là, c'est tellement cool. Bonjour mesdames. Ok. D'avoir énervé tout le village. Une vraie caisse? Oui. Alors, là j'y suis allé. Il y a un truc vraiment louche avec cette, le son. Il est, je le trouve pas particulièrement bien équilibré ou quelque chose, je sais pas, genre il est trop constant. Ça me fait des gros souvenirs, époque PS1, PS2. Poids séché, anti-sacré. T'es sûr que c'est pas un fou à séchette claire plutôt? Je vais allumer la lumière, il commence à faire sombre. J'ai pris des dégâts. Oh non. J'ai cru un instant un chemin alternatif. Pas du tout.
Oups. Ok. On aura un boss à la fin. Quand on peut caster, on peut inviter le copain. Ah ouais. Tu me fais beaucoup penser à l'autre, alors je t'avoue que je vais pas prendre de risques. Cool. Oh. Ah ouais, j'ai vu Les Incroyables. Ça, le... Non, c'est pas le nom en français, ça. Écorcheur sans chair et fouet de flammes noires. Alors, l'écorcheur, je suis curieux de voir ça. C'est son arme, j'ai très envie de l'essayer. Lame double unique à l'apparence fort singulière, maniée par les apôtres Sainte-Chair. Une extrémité est pourvue d'une faucille pour porter l'attaque de taille, tandis que l'autre est dotée d'une lance torsadée conçue pour pénétrer les chairs. De par sa nature asymétrique, cette arme est délicate à manier. Ok. Mais du coup, on peut pas l'utiliser. Sauf si à demain. Sympa. Et il est 17h54, du coup on va rester là pour ce soir, comme ça on est raisonnable pour cet après-midi en tout cas. La suite, ce sera vers 20h ce soir, 20h, 20h20 comme d'habitude. On reste sur Elden Ring aujourd'hui. Pao. Donc on reste sur Elden Ring, on va continuer ça, c'était cool, ça s'est bien passé, voilà. Et demain comme je disais, on verra, il y a Far qu'il faut qu'on termine, on va continuer Distant World
Tiens, il y a une mage d'ailleurs. À l'occasion, j'ai encore recommencé une partie. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, c'était vachement cool, j'espère que c'était aussi plaisant de votre côté. Bon courage pour votre semaine. Et si on se revoit pas, à la prochaine. Ciao à tous, merci beaucoup.